Monsieur ? Monsieur ? Monsieur, un problème. Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est insensé, non ? Je ne veux pas faire d'esclandre, mais enfin reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Oui, elle est petite, remarquez. Mais enfin, c'est vrai, c'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites ? Mais je regarde s'il y a le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque dans son assiette, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Mais enfin, ce n'est pas dangereux, on la voit. Ah, ça ? Tandis que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il soit niché entre deux champignons, on ne le remarque pas. Et hop, c'est l'étranglement assuré. Non, on n'y est pas. Tant mieux. Bon Dieu ! Quoi ? Si je l'avais avalé ! Le cochonnet ? Oui ! Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi ? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez certainement pas là en train de clamer « Appelez-moi le directeur » et patati et patata. Tout ça pour une malheureuse boule de pétanque dans votre velouté d'oseille. Vous n'en auriez pas la force. Vous seriez faible. Ah ? Et oui, c'est que ça épuise un cochonnet. On est groggy. Vous auriez mangé votre soupe avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Ah bon ? Vous me rassurez. C'est pour ça que je trouve toute cette histoire un peu exagérée. Non mais c'est vrai ! Pas l'ombre d'un cochonnet dans la soupière ! Et la boule de pétanque, mon Dieu ! Elle ne vous a pas mordu ! C'est exact. Alors franchement, vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça ! Franchement, je me dis que parfois certains clients perdent un peu le sens des réalités. Je vous demande de m'excuser. Je me suis laissé emporter. Vraiment ? C'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navré. Ma mère m'a toujours passé tous mes caprices et je me crois tout permis. Je suis infernal. J'ai honte. Bien, Raymond. Voulez-vous changer le potage de monsieur ? Non ! Qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur ? Remettez-la, moi. La boule ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Et pardon. C'est oublié, monsieur. À quel métier ? Et bonne année !